stop dreaming. Hey les amis, très bon vendredi matin. Merci, merci infiniment à tout le monde d'être là. Je suis très heureux d'être avec vous et très excité à l'approche de la course AmFit Lululemon pour la Fondation Charles Bruno. Ce dimanche, donc, dans moins de 48 heures, gang, que le départ va être donné parce que vous le savez, vous allez pouvoir le faire à partir de 7 heures, mais ce à l'heure que vous voulez. S'il y en a qui veulent le faire à 3 heures l'après-midi, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on va vous demander, c'est que oui, la vidéo va être disponible à partir de 7 heures le matin, mais de nous envoyer vos résultats, votre temps. La vidéo, on va vous expliquer de A à Z tous les détails de la course. Donc, de juste nous envoyer votre temps avant 19 h le dimanche et par la suite à 20 h. Oui, on a des beaux cadeaux, un beau tirage à vous faire, mais également le dévoilement des résultats et le dévoilement du don. Donc, je vous répète, ce dimanche à 20 h précisément, mais la vidéo va être disponible à partir de 7 h le matin avec toutes les explications que vous allez pouvoir courir dehors. Il annonce beau en plus, donc gang, c'est extraordinaire. On va passer une belle journée et ça pour aider les enfants atteints du cancer. Merci infiniment. Alors, pour aujourd'hui, bien aujourd'hui aussi, on va passer une belle journée parce qu'on commence ça en feu. Vous avez vu, j'ai quelques articles autour de moi. Donc, d'une part, on va utiliser une chaise aujourd'hui, un petit bâton, donc s'il y en a qui préfèrent un bâton de hockey simplement, et également une charge. Donc moi, j'ai placé un sac avec plusieurs livres à l'intérieur pour me permettre de justement avoir un bel entraînement complet. Donc, tout ce qui va se passer, je dois vous avouer que je me suis inspiré un petit peu de l'entraînement d'hier avec votre ami Denis. Donc moi, aujourd'hui, au lieu de faire des duos, j'ai fait des trios. Donc, trois exercices dans un round de 5 minutes 30. On va devoir faire simplement 20 répétitions au premier, 20 au deuxième, 20 au troisième. 20 au premier, 20 au deuxième, 20 au troisième. Et on roule comme ça sans arrêt, je le répète, pendant 5 minutes 30. À la fin du 5 minutes 30, je me donne un petit 30 secondes là, pour expliquer comme il faut les trois nouveaux exercices du trio suivant, bien entendu. Donc, si vous me permettez, je vous explique rapidement le premier trio, puis on va devoir, on va commencer avec la chaise ici. Donc, je m'installe ici, sur le côté, toujours du même côté, donc ma jambe droite, par exemple, dans mon cas ici. Je déplie, hop, j'essaie de descendre un petit peu plus lentement, juste de contrôler ma descente, et je complète combien de répétitions? Et oui, 20 répétitions. Donc, par la suite, le deuxième exercice, ça va être 20 répétitions de l'autre côté. Et finalement, mon troisième exercice, encore une fois, on va utiliser la chaise. Donc, on va faire des hip thrusts. Des hip thrusts, ce n'est pas mon exercice préféré, mais je tiens à vous rappeler à quel point que c'est super important pour éviter des blessures au niveau des genoux parce que souvent, on est trop fort des quads, pas assez fort à l'inverse, donc antagoniste au niveau ischio-jambier, grand fessier. Donc, ce que je vous propose ici, je m'installe les deux pieds sur la chaise, hop, et on lève, hop, je viens serrer les fesses, je le sens derrière la cuisse, merveilleux, et je complète mes 20 répétitions. S'il y en a qui veulent placer une charge sur eux autres pour rendre ça un petit peu plus difficile, sentez-vous bien à l'aise, gang.
vous l'ajustez par rapport à vous. All right? Donc, gang, on se prend une petite gorgée d'eau. On saute un petit peu sur place. On s'installe. On va partir ça dans quelques secondes. Le fun commence. Permettez-moi. Yes, yes, yes. Alors, les amis, dans moins de 10 secondes, c'est vendredi. On passe une belle journée. J'en suis convaincu, gang. Alors, c'était quoi notre premier exercice? Ah oui, sur la chaise. Donc, je m'installe ici et c'est parti. On y va pour 20 répétitions. S'il y en a qui veulent aller plus vite, sentez-vous bien à l'aise. Je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, là, le 5 minutes va être long. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, j'ai de la difficulté, je peux placer mes mains, 19 et 20 répétitions. Je ne veux pas être de dos à vous, fait que ce que je vais faire, je vais changer la chaise de côté et on y va pour 20 répétitions, gang. C'est parti, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, excellent gang, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 répétitions. Donc, le troisième, j'en parlais tantôt à quel point c'est important. S'assurer d'un équilibre musculaire, articulaire. Donc, je m'installe ici et on lève, on maintient et on recommence. 2, 3, 4, on squeeze. 5, 6, 7, aïe, 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 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ouïe! Ah là 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 là! Je me rappelle plus le premier exercice, c'était quoi? On va commencer, si vous me permettez, je vais commencer de l'autre côté, mais si vous voulez garder le même premier côté, aucun problème. 3, 2, 1, c'est parti pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et on change de côté. Hop, dans 3, 2, 1 et c'est parti gang, 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, ça paraît, c'est un exercice que je fais pas régulièrement. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 répétitions, gang. Il reste exactement 1 minute 20, gang. Let's go, let's go. On garde le rythme. Je le répète, s'il y en a qui vont plus vite, il n'y a aucun problème, gang. Et on y va pour 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. Ouh! Allez, les amis, il reste 30 secondes. Ce que je vous propose, on va terminer ceux qui me suivent, bien entendu. Si vous allez un petit peu plus vite, il n'y a aucun problème, bien que j'ai bien dit. On va simplement continuer en alternance jusqu'à la fin. On va avoir fait pratiquement le même côté, le même nombre de chaque côté. Yes! Yes, il reste 15 secondes. Et voilà! Et voilà! Excellent! Excellent, gang! Et voilà le travail, gang! Déjà un premier round de terminé! Wouhou! Yes, 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 gang! Mais la mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on continue vraiment au niveau des jambes. Donc, les trois exercices suivants qu'on va faire en trio. D'une part, on va commencer avec des air squats. Le deuxième, il y a une haie imaginaire. Donc, je vais sauter par-dessus la haie. Et le troisième, les pas chassés. On touche au sol, on revient. Squat, saut par-dessus la haie et les pas chassés. C'est déjà commencé, gang. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. Donc, on s'en rappelle, la haie imaginaire, je vais m'en faire des kiennes si vous me permettez. Et voilà, ça fait sauter par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous n'avez rien vu, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. Wouh! On s'en rappelle le suivant. Les pas chassés. Alors dans 3, 2, 1, ceux qui me suivent, large, on chasse, on touche au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'était quoi dans le premier? J'ai complètement oublié. Pouvez-vous m'aider? Bonne réponse. Les squats. 3, 2, 1. C'est parti. 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le deuxième, ma fameuse et imaginaire. 3, 2, 1. On saute par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Troisième. Les pas chaussés. 3, 2, 1. C'est parti, gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. La gang, moins de 1 minute. Les squats, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soit 20 secondes, gang. On a le temps là, pour 6-7 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà le travail. Deuxième round de compléter. Voyez à quelle hauteur j'étais, Maë. Oh que oui, on donne notre 100% gang. Alors là, pour le prochain trio gang, super, super simple. Donc cette fois-ci, au début, on a utilisé une chaise. Mais là, on va utiliser justement mon beau sac ici. Donc on va faire 20 tirages du même côté en snatch. De l'autre côté, et le troisième, on y va avec des thrusters. Donc on descend full squat et on vient pousser par la suite. Les amis, c'est déjà parti depuis 5 secondes. Go, go, go! On tire toujours du même côté 20 fois. 2. La charge le plus près possible de soi. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Oui! Alors, gang, on switch de côté. Donc, encore une fois, 20 répétitions de l'autre côté. 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aïe, aïe, aïe! Oui! On prend le sac ici. Front squat, push press. Donc, on y va pour des thrusters dans 3, 2, 1. Sac en dessous du menton. En bas, on press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 et 20 répétitions, gang. On revient au premier. Donc, dans mon cas, je vais commencer avec la main droite. Tu peux me suivre dans 3, 2, 1. Et c'est parti, gang. Et de 1. Et de 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 répétitions. Force de préhension, hein? Alors, gang, on poursuit dans 3, 2, 1. 20 de l'autre côté. 1. 2. 3. 4. 5. 6. On utilise les jambes. 7. Comme si on s'en allait sauter. 8. 9. Le dos bien droit. 10. Excellent. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Oui! 20 répétitions. Les amis, ça va super bien. On revient au troisième exercice, à rappeler. Et voilà les thrusters. 3, 2, 1. Sac en dessous du menton. On descend. On presse. 1. On descend. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 répétitions. Pour ceux qui me suivent, il nous reste 15 secondes. Donc, on y va pour le dernier exercice, puisque c'est asymétrique. On y va en alternance. La droite, on tire, on dépose. La gauche, on tire, on dépose. La droite. La gauche. Sans les mains. Yes! Good job, gang! Un autre round de terminé. Donc, encore une fois, j'ai plus besoin de ce gros sac-là. Alors, pour le prochain, j'ai pas besoin de sac, mais j'ai besoin d'un fameux bâton. S'il y en a qui ont un bâton de hockey, un manche à balai, une barre aussi, si vous sentez à l'aise, il n'y a aucun problème, gang. Donc, on va commencer le premier. Les coudes barrés. Je vais avancer, donc, overhead fente. 20 au total, donc 10 de chaque côté. Le deuxième, Y. Donc, le dos, là, presque parallèle avec le sol. Et je viens cacher mes oreilles. Hop! Sans plier les coudes. Je complète également mes 20 répétitions. Et le troisième, on ramène la barre ici. On garde les abdos durs, durs, durs. Et on descend ici. Donc, excellent exercice 3 pour 1. Ça insère au niveau des épaules, deltoïde antérieur, grand pectoral, mais également le grand dorsal puisqu'il s'insère ici. Contracte les abdos, mais également les jambes qui viennent être sollicitées, bien entendu, puisqu'on fait des squats. Et gang, ça fait 30 secondes de trop que je parle. Alors, les amis, on augmente le rythme en 3, 2, 1. C'est parti. On descend. Je suis rendu à 2. Ceux qui me suivent, je suis rendu à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. C'est quoi dans le deuxième? Ah oui, les ciblés au niveau du trapèze inférieur. Donc, on s'impose. On sort les fesses, le dos arqué, pratiquement parallèle avec le sol.
barre aux genoux, on cache les oreilles. 1, 2, on essaie de maintenir une fraction de seconde en haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on maintient 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aïe, 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 aïe. C'est pour notre troisième. Oh yes, encore une fois. Overhead, mais cette fois-ci, il va falloir les fentes. On y va en squat simplement. Les coudes barrés, remarquez, là, je suis pratiquement à la verticale. Donc, justement, je ne vais pas me créer un levier si ma barre est trop en avant. C'est une tension ici au niveau des épaules. Donc, on essaie d'amener le levier à zéro. Je m'installe ici. Droite, droite, droite. On descend en squat. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. On s'en rappelle le premier. On va commencer à chauffer au niveau des épaules, là, juste de maintenir ici. Donc, les fentes dans 3, 2, 1. Un grand pas, on descend. Ça fait 1. Et on est déjà rendu à 2, à 3, à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On poursuit avec trapèze inférieur, donc les nageurs, là. C'est un exercice que je vous recommande fortement pour éviter des blessures. J'ai un déséquilibre articulaire au niveau de l'épaule, donc on sent les fesses, le dos arqué, les coudes restent barrés. 1, on maintient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins de 1 minute, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop, le dernier gagne. Les overhead squats, on maintient et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wouhou! Les amis, vous savez, il nous reste un autre trio. Et là, vous vous dites, où c'est que Joe il a caché les burpees? Sont où les burpees? Ben justement, ils sont là, les burpees. Donc, ce que j'ai pensé, je sais que vous aimez ça, cardio et abdos. Donc, notre trio, ça va être des burpees en partant avec 20 pieds au plafond et 20 toe touch. Donc, les pieds au plafond, je vais juste faire une petite démonstration rapide. On vient simplement, un petit move comme ça, pousser le plafond. Et les toe touch, on monte jusqu'aux orteils. Donc, 20 burpees en partant. Et là, on est 10 secondes en retard, gang. Let's go, let's go, let's go, let's go. On y va pour 20. 1. 2. Yes. 3. 4. 5.
6. Vous n'avez pas le droit de vous en aller avant la fameuse question du jour. Vous allez capoter, gang. Question très difficile. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, tout le monde va bien. Puis un dernier. 20, le deuxième. Pied au plafond. Donc on vient pousser le plafond avec nos deux pieds. On se couche sur le dos et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On garde les pieds en haut. On essaie de se rendre jusqu'aux orteils, ou du moins le plus près possible. 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui! Ouh là là! Ça chauffe en titi, là! Alors, les amis, la bonne nouvelle, donnez ça. Pise pour 20 répétitions. Yes! 1. 2. Un petit défi supplémentaire. À chacune des répétitions, on crie un petit coup de... un petit cri de joie. Woo! 4. Yabalabalou! 5. Yes! 6. 7. 8. Backflip. 9. 10. 11. À la maison, je vais vous entendre. Let's go, let's go. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 répétitions. Pieds au plafond. Moins de 2 minutes. Let's go, les amis. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On garde les pieds en haut. 3, 2, 1. Toe touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Woo! 20 répétitions. Les amis, on se relève, c'est bientôt fini, puisqu'il reste seulement 37 secondes. Alors, gang, dans 3, 2, 1, on finit ça avec les burpees. Ceux qui me suivent, 1, 2, on se rend jusqu'à 10, gang. 3, let's go, let's go, let's go. 4, 5, il en reste 5, let's go. 6, 7, 8, 9, pile, pile, pile,
Gang, vous êtes écœurants. Vraiment, 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 je suis super fier de vous. C'est pas évident. Vous gardez la motivation. Vous êtes conscient que le confinement, c'est pas synonyme de prendre de pause. On reste actif, gang. Santé physique, santé mentale. Oh yes! Alors, gang, pour les étirements, juste avant de vous poser la fameuse et difficile question du jour, permettez-moi une petite gorgée d'eau. Cheers avec vous, les amis. Merci infiniment, hein? Sincèrement. Alors, les amis, pour les étirements, super simple. Ce que je vais vous demander au début, simplement de prendre votre main gauche. Je viens la placer entre mes omoplates. Et je viens tirer sur mon coude. Mais je viens également incliner le tronc sur le côté droit. Et on revient lentement. On fait s'il vous plaît la même chose de l'autre côté. Main droite entre les omoplates. Je vais tirer, 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 tirer. Et j'incline par la suite. Et on relâche lentement. Super simple pour le suivant. On passe directement à quatre pattes. Je vais avancer les mains un petit peu plus loin. All right? Donc, normalement, les mains sont directement dessous des épaules. Je les avance un petit peu plus loin. Ma main droite sur ma main gauche. Là, la seule chose que j'ai à penser, c'est de descendre les fesses vers les talons. Donc, avec mes épaules, je viens pousser mes épaules vers le plancher. Et on revient lentement. Je replace mes mains largeur des épaules. Cette fois-ci, la main gauche sur la main droite. Les fesses vers les talons. Et on pousse les épaules vers le plancher, s'il vous plaît. Et on revient lentement. Donc, les amis, pour la question du jour, cette semaine, vous aviez une petite question en lien avec une petite traduction de la langue. Donc, c'est un mot allemand que vous aviez à traduire. Et là, moi, c'est super simple. Je vais vous lancer un mot français. Puis, vous allez devoir me dire c'est comment on dit ce mot-là en anglais. Alors, le fruit, vous connaissez le fruit ananas? Donc, ananas en anglais, est-ce que c'est ananas? Ou ananas. Alors, gang, je vous laisse répondre en commentaire sous cette vidéo-là et je tiens à vous souhaiter une merveilleuse journée. Rappelez-vous, le 17 mai, envoyez-nous votre courriel info@amfit.com avec votre nom et le nom de votre partenaire. C'est donc un rendez-vous 17 mai pour justement aider les enfants atteints du cancer. Passez une merveilleuse journée, gang. Amusez-vous. Ciao!